Salut à tous, c'est Jeff et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la campagne sur Battle Brothers avec le background Lone Wolf Archer. Donc dans cet épisode de précédent, pardon, on avait réussi à récupérer pas mal d'armures assez sympas, on a récupéré des bons items, notamment des Arming Swords, des pikes, etc. Et donc l'objectif, bah, ça va être de continuer, de commencer à farm. Donc on avait aussi quelques brothers un peu poubelles qu'il va falloir dégager, notamment lui qui est asthmatique, ou il nous faudrait aussi idéalement un sergent. Parce qu'on a ici, il a un bon moral, mais ça va pas suffire. Et on n'avait pas encore d'ambition à faire. Niveau retinue, on en était à combien? On était à 806, le prochain il est à 1400. Ah, on avait... oui, on pouvait avoir un follower de plus. Alors ça pourrait être intéressant d'aller chercher le recruteur dans l'idée qu'on puisse commencer à farm le reste, ou alors qu'est-ce qu'on aurait, le lookout? Bon, il est sympathique, mais on l'a mis au village quoi. On pourrait essayer d'aller chercher le Bounty Hunter. Bon, on est à mon avis un peu trop loin. Il y avait qui était sympa aussi, l'alchimiste, mais il faudrait crafter 15 items et faire de la chasse aux bêtes. Je pense pas que ce soit le... Alors c'était, oui, c'était Velheim, qui était, si je me souviens bonne, extrêmement loin. Ouais. On pourrait essayer d'aller choper la ville qui est là-haut au-dessus, parce que combien il nous en manque pour le... Le Ménestrel, c'est pas forcément le meilleur follower dans l'idée. Mais il nous manque encore 5 villes à trouver. 5 villes à trouver, il en manque 2 au sud, qui doivent être par là-bas. Il en manque encore 3 qui peuvent se trouver potentiellement au nord et peut-être une dans ce coin-là. On va essayer de trouver les dernières villes qui me manquent, je pense. On va faire d'une pierre 55 coups. Va pas faire ça. Et donc on était... On est reparti à l'aventure. La ville doit se trouver par là peut-être. Alors c'est juste un design de celle-ci, mais... Je me dis qu'il y a quand même une bonne probabilité qu'il y ait un petit truc dans le coin. Eh bien... Ah si. Que la route continue. Donc atteindre 1050, on est à 800, c'est pas trop loin. Les îles du Sud. Outralaytup. On peut mettre ça et le mettre sur... Lui, il en est où dans ses perks? Ouais, je peux lui mettre à l'aise de troupe un peu en mode... Ça fait un peu skill poubelle, de toute façon il est pas pour late game, donc au moins ça fait la quête, ça me fait de la renommée, etc. Oh, mais il y avait deux villes en fait ici. Ok. On a bien fait d'aller faire notre petit tour. On va commencer déjà l'armure. On a ça qui peut faire plus 10 de durabilité. C'est ça de prix. C'est pas... Ça rend pas du rêve, mais bon, on pourrait le faire. Ça coûte combien? Honnêtement, si je fais les deux missions, il y a moyen que ça me coûte pas trop trop cher. On va prendre quand même un peu de ça, histoire de pas tomber à court. La taverne. On s'en fout, on a personne qui est malade. On a quoi ici? Un sellsword à 1840, franchement, c'est pas cher. Pour un sellsword, ça peut se négocier. Mon swordmaster, excusez-nous. Ouais, c'est sympa, mais y a pas de point en mêlée. Honnêtement, lui, j'ai envie de... Il est très tanky, 2 de mêlée, 2 de fatigue. Il a moins 10 de max fatigue, mais avec ça, il va remonter assez vite. Franchement, ça se réfléchit. Hein. Il a 20 points de vie en plus, c'est énorme. C'est énorme. Ça pourrait se réfléchir à le prendre. Ok, donc ça nous fait redescendre. Et ça. Merde. Bon, j'ai mis ce clic. Bon, on va essayer d'aller voir la ville au-dessus.
Oui, barbare. Reinberg, c'est où? C'est là. Oh, c'est pas si loin comme. Bon, il y a notre grand virage à faire, mais. On pourrait le recruter et aller à Reinberg, quoi. A few rivers. Donc ça va, on a des filets pour s'en occuper. Oh, on va se les faire, je pense. Venez là. Venez là, venez là. Ok. Il y a pas mal d'endroits où ils peuvent pas aller en soi, donc. Ok. Je n'aime pas du tout votre comportement. On a un river ici, un autre là. On va faire passer le tour. Ok, bon, lui il a une arme de G, ça va être chiant, mais. Ce qu'on peut faire. C'est ça. On peut juste se contenter d'avancer et se mettre en position défensive. Lui, il vient de lancer son truc, donc normalement, il a plus de, il a plus rien. Toi, je te ferais bien aller là, mais ça fait un peu loin. On va attendre un petit peu. Ok, ça c'est bon. En soi, il a une armure, c'est lui, il a pas d'armure, donc je vais essayer de positionner. Jean Michemuche de manière à ce qu'il puisse le taper assez facilement. Il y a probablement un qui va essayer de monter ici, mais on fera avec. J'ai pas trop besoin de le faire jouer en premier. Dans l'idée où de toute façon il aura personne à. Est-ce que je veux tirer sur lui? Je pense, ouais. Hein. Ok, ça c'est très dommage. Lui, on va essayer de le replier légèrement. Il en sera un filet sur lui, mais après, je pense, une fois que lui sera au corps à corps. Comme ça, on pourra facilement le démembrer. C'était très con de pas bouger lui. Après, lui, je pourrais aussi essayer de le remonter pour m'occuper du river là-haut, je pense. Je pense que c'est peut-être plus utile que lui remonte. Et en vrai, lui. Ouais, lui aussi va remonter. Lui me fait assez peur en soi. Merde. C'est très relou, mais bon, après. Ok. Ok, donc lui se replace. Bah. Si lui avance, en fait, il se retrouve devant les deux, mais je pense que ça passe. De toute façon, tu dois taper lui, genre. Y a pas trop de. Toi, tu pourrais lancer un filet. Et en vrai. Tu te prépares à revenir. Lui, en fait, je le ferais bien avancer et taper, tu vois. Surtout qu'avec ça, il va pouvoir retaper au prochain tour, ce serait pas mal. On va attendre de. On va pas avancer, évidemment, vu qu'il est dans un filet. Toi, lui, je pourrais le mettre là pour bloquer, mais je pense que c'est une idée de merde. Tant qu'on va faire passer leur tour, c'est pas dramatique. Ok, il s'enfuit. Toi, tu vas te placer là de manière à être prêt au prochain tour. On va essayer d'allumer lui. On va voir ce qui va se passer. On va attendre que lui approche. Enfin, on va voir s'il arrive à se libérer. Lui pour avancer là. Ouais, on n'a pas trop mal de chance. Je vais pas lui lancer de filet, je pense qu'on peut arriver à le tuer sans les filets. Je vais faire cette économie, même si c'est un peu prendre des risques. Ouais, voilà, parce qu'on pouvait taper son crâne, donc. Ouais. Ok, il a réussi à se libérer. Toi, je peux pas te faire bouger.
En soi, je peux te faire avancer et te préparer au prochain tour, comme ça lui peut taper. On va faire ça. Je pense qu'on. Je vais partir du principe qu'on le tue en. Qu'on le tuera assez vite. Qui fait le plus de dégâts à l'armure? C'est toi. Bon, on va pas être non plus débile. Bon, ok, il se barre. Est-ce qu'avec Clark, tu peux lui... Non. Bon, on va passer le tour. C'est gagné. Bon, ça va, c'est plutôt bien passé. On a pris un peu de dégâts, mais c'était... C'est-à-dire, c'était du dégâts qui était pas vraiment évitable. Bon, il y a mis un 65, c'est poubelle. À ce stade-là, c'est vraiment pourri, mais bon. Mais bon, mais bon. Et à combien ça là? Ouah, tu me diras ça là à 50, ça. Le charisme est là, par contre. Ça, niveau charisme, on est pas mal. Blunt Cleaver, est-ce que c'est mieux que... Est-ce que c'est mieux qu'une petite lance? Franchement, je sais pas trop, hein. Bon, ce sera mieux qu'une lance pour lui, non? Lui, il fait moins de dégâts en fait, c'est pour ça qu'on l'avait mis la lance. Mais d'un autre côté, le cleaver fait saigner. Donc, du coup, ça, est-ce que ça compense un peu, pas un peu la perte de dégâts? C'est une très bonne question. Oui, toi, on avait dit qu'on s'en foutait si tu mourais, mais enfin bon. T'as plus de filet à lancer, ça limite l'intérêt de. Pas te suicider non plus. Quoique, en vrai. On pourrait le suicider, mais de toute façon, une fois qu'on aura assez le soir, je pense qu'il sera. Il va peut-être nous quitter, mais. Vous aimez les mendiants? Alors ça sent. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Ça sent. Comment ça s'appelle? Les Alpes. Le problème des Alpes, c'est que. C'est une belle plaie à affronter ces trucs. C'est une belle plaie à affronter. Est-ce qu'on se fait les Alpes? Pas. On va à combien là-bas? J'avais pas regardé. 16% en soi si on vend ce qu'on a. Je vends la fourrure ici. Je pense qu'on est. Je pense qu'on a assez pour acheter l'eau. Je vais pas me combattre les Alpes, on est, je pense, un peu trop faible. En fait, plus vous avez de morale, moins ils font de dégâts, si je dis pas de conneries. Et là, le moral de mes persos est assez faible, donc ils vont faire giga mal les Alpes, ça va aller très très vite. Mais j'ai pas trop trop envie de ça, je pense, pour l'instant. Ouais, on vend pas trop mal, on va vendre tous ces trucs. Hop, 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 hop. Bah, la question est la suivante, est-ce qu'on veut recruter Jean Didier? Mais Jean Didier, il m'a l'air quand même vachement sympa, quoi. Le problème, c'est qu'il est gros. Ça fait 10 de fatigue en moins, c'est chiant, mais... 2 points en mêlée, 2 points en fatigue, il va monter vite, et surtout, il a plus 20 HP, c'est énorme. Allez, on y va. Oh, il démarre à 60 en plus, let's go. Il a qu'une étoile en tir, par contre, je pense qu'il va être trop trop lent à monter. Joli roll en HP, je pense que je vais te le mettre. En fait, il va être très vite très tanky, donc bon. 63, bah, c'est marrant, il est niveau 2, il est limite meilleur que ceux qui sont niveau 5, quoi. Je vais te mettre une épée, je pense, hein. Tu vas prendre l'épée d'Alfred. Qu'est-ce que je peux te filer aussi? Tu vas prendre le couteau d'Alfred et qui a une belle armure? 110, 115, tu prends la meilleure armure évidemment. Et en plus, il est chauve donc il est forcément meilleur, forcément plus fort. On va le mettre là. Et tu vas prendre un petit casque évidemment, on va pas trop déconner.
Toi, il faut que je te mette un truc un peu sympa. Ouais, tu peux prendre l'armure de lui quand même. Ça peut jouer à 10 d'armure, donc bon, on va pas non plus. Ce beau chapeau. C'est toi par contre qui va nous quitter, je pense, hein. Toi, t'es vraiment faible. Enfin, pour l'instant, on peut le garder dans la caravane, on sait jamais. Mais alors, est-ce que lui, je lui mets l'arbalète? Est-ce que c'est meilleur que l'arc, l'arbalète? Ça, c'est la question un peu à 100 balles. Je pense pas. En fait, l'arc permet de tirer deux flèches par tour, ce qui est quand même vachement fort. L'arbalète ne permet d'en tirer qu'une, donc c'est un peu. Je pense que ce sera mieux. Par contre, 65, ça me désole un peu que tu te battes avec une arme aussi pourrie en ayant 65. Toi, t'as combien? T'as 59? Ouais, vas-y, file le cleaver quand même. T'as une tronche, toi. Deux cleavers au même endroit, je sais pas si c'est vraiment bien. On a plutôt joué comme ça, je pense. J'ai de l'argent pour combien de jours? Un jour, la quête m'en prend. 3. Une. Va falloir faire. Bah, hop, ça dégage la lance. Hein. 2 jours. J'ai envie de garder les lances quand même. Ça fait 340. Si on vire Jean-Maurice, ça nous fait une économie. Je pense pas que ça nous fait beaucoup, hein, mais bon. Ouais, ils perdent un peu de morale, mais ça remontera vite. Si on gagne la prochaine baston, c'est réglé. Bon, je me dis, avec une baston ou quoi, on peut se refaire la thune qui manque. Allez. On va le faire de toute façon. Attends, vérifier, petite vérification. Ouais, non, ça va, l'équipe est pas trop mal. Je pense quand même c'est une grosse plus-value de commencer à avoir un ou deux brothers late game. Parce que si je drop des épées, des longs swords, des machins comme ça, encore des grosses armes, bah au moins j'ai un brother sur qui je peux les équiper. Dans l'idée où je sais qu'ils vont être là pendant un bon moment. Voilà, sans m'avoir intra, sans m'avoir drama. Une belle équipe quand même. Ils peuvent pas courir jusque là, je pense, donc on va en profiter. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, Michu, pourquoi tu t'es mis là, toi? Bon, tu vas probablement te faire focus, mais ok, on a un river ici, un autre là, un autre là. Il y a un autre là, bah putain, tu parles d'une équipe. Quel est le plan? Moi je pense qu'il faut profiter du fait qu'ils soient un peu empalés, mais. Toi, il faut que tu avances là en fait. Mais du coup, toi, t'as plus de très bon tour, genre. Si, toi, tu peux courir sur le. Essayer de courir sur le drummer, on va voir. On va voir. Toi, il faut que l'autre il avance. Toi, tu pourras attendre en fait pour prendre la position dès que lui va se faire décapsuler, je pense. Dommage. Ok, il a plus d'armure, ça c'est bien. Lui, il y a une probabilité quand même qu'il avance ici. Je vais me placer en conséquence.
Lui filer l'initiative, ça ne nous avance à rien. Enfin, le faire jouer au prochain tour en premier, ça ne nous avance à rien. Lui, je vais le placer de manière à ce qu'il puisse prendre cette position assez vite. Donc il va rester là en fait. Y a lui qui va bouger, lui. On peut essayer d'aller chercher le drummer. Au pire, c'est pas un brother très très. C'est pas dramatique s'il meurt quoi. Lui, il se prépare à lancer son filet sur Jean-Mich. On va voir si l'initiative peut servir plus tard, mais. Ouf! Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que lui, du coup, va avoir deux coups. Ok, belle esquive. Ah, lui, toi, t'es dans la mer, mais bon. Après, c'est pas plus mal, hein, si t'as une bonne esquive. Essaye de le stun, andouille. Bref. Ok, hop. Oh, le bon coup où il tape son pote, ça me va très très bien. Donc on va voir si on arrive à te mettre un meilleur angle de... Oh, le problème c'est que lui il est pas mort, du coup bah, t'as pas de place à prendre. Hein. Toi il faudrait quand même que tu touches au bout d'un moment. Coucou. Est-ce qu'avancer là a un intérêt particulier? Ah si quand même. Ok, excellent. Ok, tu vas essayer de jouer en premier. Toi aussi, ça a un intérêt du coup. Ouais, c'est un peu la galère pour trouver un angle de tir. Si, lui, on peut. Oh, le crit qui met pas bien. Dommage. Très dommage. Didier! Ah, mais toujours, il a bien esquivé lui, hein. Ah, moi j'esquive moins déjà. Toi, tu peux aller vers le drummer en vrai. Ah, bon, il l'a tué, c'est dommage, du coup je récupère pas l'arme. C'est très relou, mais bon. Ah, plus qu'il avait comme arme, lui. Mort, c'était pas une. Mort, c'était pas une grosse arme, mais je suis pas sûr de mon info, quoi. Je vais pas te mettre l'initiative, je pense qu'on n'a pas particulièrement besoin. Ouais. Voilà, ça t'apprendra à voler mon stuff. Je sais pas si j'ai besoin de. Je vais essayer de voir si je peux garder munitions. Non, toi tu vas. Je pense pas qu'on ait besoin ici de particules. Particulièrement lancer un filet ou quoi. Excellent. Ok, on va éliminer Jean-Maurice. Excellent. Ok, on a récupéré deux très bons trucs. Ça, c'est excellent aussi. Bon, ça coûte énormément de fatigue, mais ça peut être très fort.
Les cleavers, en vrai, on peut les garder. Ça reste quand même meilleur que. C'est quoi? Oh, des raiders. Hein. Donc. Ah, si, Gourde, qu'est-ce que je te mets? On te met une petite maîtrise du fléau? Allez. Bon, ils vont se servir pendant un moment ces fléaux, donc autant que ça soit maîtrisé. Pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ah oui, mais c'est vrai que même s'il y avait 3 étoiles en. Ouais, il peut monter à 80, mais. Il avait pas une très bonne endurance quand même. Pas un très bon mot. Appui brut, c'est chiant, genre. Parce qu'en fait, ça apporte. Enfin, si, il fait plus de dégâts en hit sur la tête, qui est sympa, mais. C'est pas. Je trouve pas ça game changer, quoi. Je trouve que le bonus ne vaut pas le malus que ça apporte. On répare ça et ce cleaver. Est-ce qu'on a envie de le mettre sur quelqu'un? Non, je pense qu'on a quand même des bonnes armes. À la limite, si, pour empocher le falchion, ce serait quand même un peu mieux. Allez. Mais là, on a une autre caravane, non, avec nous? Ça a pas l'air. Des raiders. Qu'est-ce qu'on a comme truc sympa? On a des fléaux, ça on pourra. Est-ce qu'il y a des armures sympas? J'ai pas de belles armures. Hein. Ce qui aurait été sympa à récupérer. Bon, pas récupérer ces armures-là, à 1090, c'est pas perdu non plus, mais. Ce qui serait bien de récupérer, c'est cette lance niveau 2. Bon, toi, tu peux aller te faire hein, pour qu'on avance. On n'avancera pas sur toi, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un monde où on attend tout simplement? Ce qu'on peut essayer de faire. C'est de descendre les fléaux. Il y a un monde aussi où on avance et on tape. Dans l'idée où du coup on pourrait taper avec nos armes là, ce serait quand même pas mal. Est-ce qu'on essaye de le contourner lui? On fait tac tac. Oh, ça les met pas très bien quand même si on contourne, je pense. On va se placer de manière à. Toi, tu vas reculer. Lui, il est dangereux avec son fléau de Seymour. On va essayer de faire en sorte qu'il pose pas trop problème. Il y a un monde où lui, il avance et il tape devant lui. Je me dis que lui pourrait peut-être nous servir de bait. Bien. Sylvie, il avance là. Toi, t'as pas besoin de jouer. Tu pourras avancer et taper après. On va attendre quand même. Si je me mets là. Bon, je me mets là. Bon, c'est pas trop mal ici. Qu'est-ce qu'on va focus lui hein? Lui en fait on pourrait taper son crâne et essayer de. Qu'est-ce qu'on focus? On va essayer de tuer lui aussi. En soi il a rien, on pourrait taper son crâne mais les fléaux sont tous en haut. Du coup, ça va être long pour qu'on récupère son armure. Hey, oh. Voilà. Ah, c'est mieux ça, déjà. Hey, oh, il résiste bien, petit Seigo. Aïe. J'aime bien cette idée-là. Voilà, il a avancé, détruit le bouclier, c'est exactement ce qu'on voulait. Ce qu'on va faire, c'est on va attendre, on va voir si lui réussit un peu ses. Voilà, quand même. Oula! Oh, t'es mort, toi. Bah, esquive. Notre maître, bah, esquive.
On l'a pas one shot, c'est dommage, mais. Bien. On pourra avancer, essayer de taper lui. Bon, on va voir un peu comment le tour se déroule. Je me demande si décapitate, ça peut nous assurer d'avoir le l'armure. Je pense pas, mais peut-être je me trompe. Ouais, 32 ou 33, franchement, pour un point, on va essayer d'avoir lui. C'est un peu impressionnant, mais. C'est très très relou ça. Non, va falloir toucher quand même. Quel moral commence à s'effondrer. Je pourrais avancer avec lui et essayer de. On va essayer de faire le ménage. Alors, on va essayer de voir un peu qui joue dans quel ordre. 7, 14, 3, 6. Ouais, Brother, il joue bien après, hein. 17, 12. Bah, toi, il faut qu'on te tue, hein, sinon tu vas avoir lui. Pas dommage. 5, 2. Ouais, mais. Est-ce qu'il y a un monde où il meurt? Ce qu'on peut faire, c'est ça. Je me dis, si je lance un javelot, et que je fais plus de. Putain, que je suis con. Je m'a trompé. Bon, bah tant pis. Hein. C'est très dommage. Si lui tue un mec, ce sera. Ouais. Voilà, ce sera entièrement ma faute. Ce sera entièrement mérité. Alors, toi, il faudrait qu'on te pousse. Lui peut pousser potentiellement, ou lui, en fait, pourrait pousser. Ce serait pas trop mal. Tu repousses lui. Voilà. Est-ce que je te repousse lui aussi? Et toi, tu joues dans combien? 7? 4? Ouais, personne peut bloquer pour toi. Hein. Je pense qu'il faut que tu. Faut se faire une raison. T'es dans la merde. 23, 28, allez. Dommage. Tue-le. Ah, il tient bien quand même. Hein. Si je te repousse, il va là, non? Ouais, c'est bon. Oh, toi, je peux encore récupérer ton armure du coup. C'est ce qu'on va faire. Et en soi, toi aussi. Donc, on va essayer de le récupérer. Ok, bah on est parti, hein. On va les charcuter. En espérant qu'on rencontre pas trop de cara enfin, d'agression ensuite, par contre, parce que on a quand même quelques brothers qui ont un poil morflé, on va pas se mentir. On a récupéré quoi? On a récupéré que des armures. Alors toi, tu peux prendre ça. T'as plus de filet à lancer, donc prends. Quitte-toi d'un bouclier. Toi, il faut changer le tien. Oh, la tristesse des casques, par contre. Une armure à 90. On peut la mettre à réparer du coup. Ouais, c'est pas. Hein. C'est pas formidable. Hein.
Un peu de, ouais, un peu d'esquive sera pas mal. Gritty. Ouais, bon, on n'est pas trop mal. On va continuer à combattre comme ça. Il faut encore mettre Rally Troops. Alors, on peut le mettre sur un browser poubelle en soi, mais. Oui, je sais que. Je sais qu'on pourrait avoir un follower de plus, mais. Je vais pas tenter de voler les gemmes parce que ça peut faire sauter la caravane. Si je dis pas de conneries. C'est des gros brigands, ça? Non, c'est des thugs. Ouais, on s'en fout un peu. Ok. Bon, ils sont sortis de nulle part, des marksmen, des. Ok, donc ça, toi, je veux te décapiter, enfin, je veux te détruire à coup de fléau. Après, si toi, t'as une belle armure aussi. Putain. Ah, toi, t'es né pour mourir, hein. Lienhart, on t'aime bien, mais. J'ai équipé ma lance améliorée, moi. Ouais, c'est lui qui l'a. Hein. Ouais. Mais toi, tu m'emmerdes. Hein. J'ai limite envie de taper un sprint avec les fléaux pour le choper, genre. C'est risqué. En vrai, non, j'attends le tour et. J'ai pas besoin de plus avancer que ça. Lui, il va avancer probablement par là-haut. Qu'est-ce que je fais? En soi, lui et lui en fait peuvent lui foncer dessus et le choper très très vite, juste à bloquer ces deux-là avec. Ouais, genre toi tu fonces là. En 12 tours, il joue. On va tenter, c'est risqué, mais ça peut me permettre de récupérer une arme et une très bonne armure, donc j'ai envie de le tenter. Ah bon, toi, je vais juste te faire lever un bouclier, je pense. Hein. Est-ce que vous, on court sur le. Ah, toi, t'as fait ton tour en plus, donc tu ne joueras pas plus. Oh, bien joué! Ok, il a les deux qui sont quasiment sur lui. Si lui avance, il va taper là. Je peux, en vrai. Faut aller chercher les archers, je pense. Toi, tu vas lever ton bouclier, tu vas te reculer. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que les gardes de caravane, je pense que c'est le mode qui fait ça. Mais typiquement, les caractéristiques des caravanes de gardes de caravane changent en permanence. Et si je dis pas de conneries, après j'ai peut-être des conneries, mais il me semble que de base, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire que si votre garde de caravane il a une épée, bah, il aura toujours une épée quoi. Et là c'est clairement pas les mêmes donc. Ok, bon. On prenait un risque, mais normalement avec les armées on peut pas nous one shot. Donc à partir du moment où il nous one shotait pas, normalement au prochain tour on est quand même censé pouvoir le calmer. On verra si on a besoin de jouer en premier. Pareil. Ok. Évidemment, on va pas tirer sur lui parce qu'on veut son armure. Ouais, ok, si tu veux. Ah ouais. Not cool. Ok. Le duel nul. Non! C'est musclé, je voulais le repousser. Ok. Vas-y, je te mets. On va mettre un peu de riposte, ça va être rigolo.
Bah si, toi je peux juste te mettre là. Je vais attendre qu'il y ait l'autre à côté pour qu'ils aient un bonus. Parce qu'ils sont à côté. Toi, tu vas empêcher Archer de tirer. Toi, tu vas juste mettre ton bouclier. Toi, ça a intérêt de te faire jouer en premier. Je vais me te placer ici. Toi, ça aurait un intérêt. Tu pourras avancer et taper. Donc, pareil. Ok, ça c'est bon. Dommage. C'est très dommage. Bah du coup, t'as plus trop de cibles à 13 tours. Est-ce qu'en 13 tours, il sera mort lui? Enfin, est-ce que le moral sera suffisamment bas pour... Avec sa lance, il peut nous faire des dégâts à l'armure, mais quand même, il peut pas normalement nous tuer. Je me dis, en fait, si je tue les archers plus lui... Ou même lui s'enfuit, genre il a la morale assez bas quand même. Voilà, comme ça. En vrai, j'aurais ouais, j'aurais pas dû passer. Oh, on déconne pas, toi. Très beau duel. C'était assez impressionnant. J'aurais pu tirer sur lui, mais bon. Plutôt envie de. Toi, je veux... lui, je veux son armure, donc moi, ce que je vais faire, c'est. On va commencer par ça. C'est très dommage. Les arches peuvent attirer, donc tu vas réavancer. Oh, c'est bien ça! Toi, il va falloir aider là-haut quand même. Ok, toi t'as rien en fait, donc c'était une idée de merde. Putain, lui aussi en shield wall, bon, de toute façon, on va lever. On va continuer à essayer de taper en espérant que ça passe. Ok, je prépare mon prochain tour. Est-ce que je veux de l'initiative? En fait, le problème, on y revient, c'est que j'ai pas envie de le. Je vais me placer là en vrai, lui. Son moral va s'effondrer. Le problème, c'est qu'ils sont un peu tous en shield wall et ça m'emmerde, mais d'un autre côté. J'ai pas envie de consommer mon dernier filet sur ça. Je me dis, on sait jamais s'il y a un leader qui pointe son boulon. Qui se pointe. Ouf. Toi t'as pris cher. On va essayer de tuer à ce tour par contre. C'est toujours en shield wall et ça m'emmerde. Mais d'un autre côté, je pense que si je mets des gars à un point de vue, en fait ils s'enfuient. Est-ce que j'ai des brothers qui sont en danger, genre? Non, avec sa lance, il peut tuer personne, genre. Allez, on y va. Il a fait son tour. 64, je pense quand même que il y a moyen de lui mettre des bons dégâts. Oh, le duel de con là-haut. Est-ce qu'on va plutôt là-haut ou est-ce qu'on descend? Non, je pense qu'on est bon. Je suis con. Je pensais que c'était un autre. Depuis tout à l'heure, j'essaye de prendre son armure et là, je. Pas mon meilleur tour. Je. Ouais, c'est pas grave, on va peut-être la récupérer. J'ai vraiment beaucoup d'idées sur ce coup. Bon, après voir le long côté, ça a un peu fait faiblir son moral donc. Je pense pas qu'on l'aura, du coup j'ai envie de juste accélérer le combat. Bon allez. Maintenant qu'il est encerclé, on va faire l'effort mais. C'est très très dommageable.
Après, en soi, même si on récupère que les casques, c'est déjà énorme, hein. En soi, les casques, ça reste quand même du bon matos. Mais c'est dommage de pas avoir une armure à 110, quoi. Oh! Bah, on l'a eu. On n'a pas été puni pour notre erreur. Ce qui n'est pas plus mal en soi, mais. Excellent. Est-ce que je te mets des points de vie en plus pour que tu sois vraiment imbutable? Ou est-ce que je te mets un peu de. Bon, je mettrai du moral s'il roule bien en moral, quoi. Maintenant que t'as Quick Hand, ça pourrait valoir le coup de te filer des armes de G. T'as 51 G, c'est pas trop mal. Ouais, t'as moins de chance de toucher, ça m'intéresse pas. Lienhardt. Qu'est-ce que je te mets? Est-ce que je te mets rallye de troupes, comme ça on n'en parle plus? Comme ça on accomplit la quête, on va faire ça. Comme ça la quête est accomplie. En soi, le fait que lui rallye de troupes, ça sert absolument à rien, on va être honnête, hein. Mais au moins ça m'a accompli la quête, donc j'ai plus à la. J'ai plus à y penser, quoi. Et l'air de rien, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir la quête accomplie. Mais Fléoman, j'aimerais bien que vous ayez des bonnes armures quand même. Toi, ton armure est défoncée, donc de toute façon, on va la retaper. Et après, on a une armure à combien? 90? Ouais, on est pas mal, hein. On va retaper cette petite armure. Ensuite, en termes d'armes, il y aurait ça qui serait sympa quand même à mettre sur quelqu'un. Qui a une attaque de mêlée très correcte? 64 d'attaque de mêlée. Ouais, en soi, tu pourrais prendre ça. Ça tirait pas trop mal, je pense. Parce que typiquement, des armes comme ça, il est faux. Et en soi, par rapport à eux, bon, t'as pas l'adrénaline, quoi, mais. Mais c'est pas dramatique. Tac, tac, tac. Ouais, on va pas réparer les armes maintenant, je pense. On les réparera en cours de route. Après, on est vraiment pas loin. Ouais! Le sergent. Vas-y. Ça rallye de troupes, prends ça en fait. Ce sera moins con. Yo, t'es combien moi? Ah, il a 5. Ouais, avec l'item, il a 59, c'est pas trop mal. Sell price, les meilleurs, c'est Dab. On connaît Dab? Ouais, ça fait loin. Facebook, on va à combien? 15. Ouais. Nous sommes en négatif, il va falloir investir très vite. Notamment en accomplissant la quête. Bon, la quête nous a pas rapporté beaucoup, mais en soi, bon. On va faire une déplacer un, c'est pas plus mal. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Gage Jeff pour la suite des aventures avec le Lone Wolf Archer. Allez, ciao, ciao!